Ça n'a jamais été fait. Parce que les Américains font des effets spéciaux, ils font un feu qui domine. Ou alors les documentaires, mais les mecs sont loin, on les laisse pas approcher. Nous, on va être à 3 mètres des flammes tout le temps. Avec le documentaire, tu fais de loin avec une longue focale, t'aperçois un peu les... Donc moi, je suis parti des images que les pompiers ont fait sur eux-mêmes. C'est-à-dire, dans le feu, des fois, ils sortent leur iPhone, ils font une vingtaine de secondes comme ça. Et je suis parti de ces images-là, parce que c'est pas un film sur les pompiers, c'est un film avec les pompiers. Sur chaque parcelle, ils mettent des camions de pompiers là, mettent le feu, parce qu'il n'y a rien qui éteint mieux que le feu. Sur les 60-80 mètres, on a 9 minutes pour tourner. Donc on espère faire deux plans par parcelle. Et après, on se déplace de 150 mètres et on fait une autre parcelle. Action ! Action ! Attaque simultanée des 3 LDV avec les 3 CCF. Véné, tu attaques de ce côté-là, mais c'est ton premier feu, je veux vous avoir à vue. Des questions ? Non. Allez, on attaque, on y va. Avec Pierre Jolivet, donc on a échangé sur toute une série de sujets. C'est compliqué parce que, si vous voulez, on est dans le milieu naturel. Donc dans le milieu naturel, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Leur peur, si tu veux, c'est que le vent se lève un peu plus que prévu et qu'il y ait des brindilles qui sautent au-delà d'eux, qui enflamment le reste. Sur les grands feux, 80% des feux sont arrêtés par les feux statiques. Et une fois que le feu rencontre d'autres feux, il s'arrête. On fait les feux avec les vrais acteurs qui ont répété. Voilà. Maintenant, comment ils vont se comporter face aux flammes, j'en sais rien. C'était chaud là, C'est dur, c'est juste parler qui est dur. Ce qui est le plus emmerdant pour les pompiers quand il y a le feu, c'est la fumée. Or, le vent faisant comme ça, parce qu'ils veulent qu'on soit dos au vent pour pas que les flammes se rabattent sur nous, donc j'ai toute l'infrastructure des effets spéciaux qui, eux, vont m'envoyer de la fumée de derrière, pour qu'on soit dedans de la fumée. Attention. En fait, il y a deux caméras à l'épaule qui ont travaillé pour pas se croiser trop, plus une longue focale et une quatrième qui est en haut sur la colline qui filme le tout. On gommera l'équipe et on rajoutera du feu sur des centaines d'hectares si on en a envie. Eric, il me dit, bon, si ça fait bidon, ça va se savoir tout de suite chez les pompiers, tu vois. Capitaine, je le prenais pas mal, mais c'est quand même super beau. Ouais, c'est beau. De loin.